Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous souhaite une bonne année, hein, bonne santé. Donc voilà, c'est le feu, donc Kaido est arrivé hier, hein, forcément l'année du 31. Mais j'ai préféré me focaliser sur le 1er janvier, puisque normalement il y a d'autres invocations avec le 1er janvier. Donc normalement, il y a le portail du Nouvel An qui vient d'arriver. Je ne sais pas si l'on fait à chaque fois. Normalement, chaque année, nous avons muté en plus avec l'anniversaire de Ace. Quand c'est qu'à l'année passée. Donc, je sais pas pourquoi il le ferait pas cette année. Donc, et bien sûr. Normalement, nous avons encore une multi avec les tickets rouges. Donc, voilà, ça fait quand même trois multis. Plus avec Kaido. Hein. Donc, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, on va se faire plaisir un petit peu, hein. C'est l'année 2020. L'année commence tranquillement. Donc voilà. Ça va que je dois la régler. Comme ça, c'est très bien. Donc, il y a un bonus de collection avec Kaido. Toujours, vous recevrez une pièce arc-en-ciel. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. On va dire. On va dire que c'est mieux que rien. Normalement, nous avons une multi en plus. Donc, 30. Nous avons 30 pièces de personnages. Bon, moi, ils sont déjà maxés, hein. Bon, c'est des personnages, il y a. Bon, Mon Marco, ça fait déjà, il y a plus de 2 ans. Bon, les costumes de Nouvel An, c'est pas nouveau, hein. Ils étaient déjà, il y a plus de 2 ans. Barbe Blanche. Tout au moins, les trois là, ils sont déjà maxés, hein. Bon, pour moi, c'est du muse. Donc, normalement. Je ne sais pas si il y a l'anniversaire de Ace. On va faire voir dans les news, hein. C'est beaucoup plus simple. Ok, il y a bien multi, je suppose, hein. Donc c'est une multi qui durera 5 jours d'habitude. Ok, donc il y a bien multi à 10. Donc ce qui est bien, ça vous garantit une ex, hein. De spé, donc ça vous garantit une spé de S. Normalement c'est gratos, hein. Elle est gratos, donc c'est quand même cool. Ce qui est bien, c'est durant un peu plus longtemps, parce qu'il me semble, vous l'avez passé, ça durait un jour en fait. Il me semble, hein. Donc, ça durait qu'un jour, donc c'est quand même sympa. Bien sûr, le portail du nouvel an. Et pas que ça, hein. Donc forcément, on y est. Donc on va commencer par la multi invocation par AS. Donc il y a trois, donc il y aura en plus les tickets. Les tickets rouges qu'on farme quotidiennement. Voilà. Quoi qu'il arrive, bon, j'aimerais bien avoir la nouvelle. Mais celle-là ne me dérangerait pas avoir les doublons. Sinon le reste, ça serait que du bonus, c'est pas bon. Celle-là, ben, voilà le SPX. Voilà. Ou avoir des doublons de celle-là. Voilà. Rien de spécial, quoi. Normalement, il n'y a que du S, hein. Donc, c'est multi-là. Donc, une bonne année 2020, hein. Donc, on commence bien. C'est pour ça que je préférais le faire aujourd'hui, quoi. C'est plus gratifiant, quoi. Sans conquérir, ça nous garantit une ex. Hein. Ok.
Ça, c'est la ex, c'est la première ex de lui. Aucune nouvelle, bon. Pas grave, hein. On fera avec. Non, rien de neuf, donc ok. Donc rien de nouveau. Bon, pas de. Rien de nouveau. Bon, si, bien sûr. Bien sûr, là. Donc chaque année, donc l'année passée, j'avais eu, il y a 2 ans d'ici, j'ai vu l'aspect de Lucie, mais la version normale, pas de Hex. L'année passée, j'ai eu celui de Ener. Cette année, qui je vais recevoir? Parce qu'à présent, j'ai toujours des multis pas ouf. Hein. Dans les multis Nouvel An, en général, j'ai jamais un truc de dingue. Allez, c'est jamais. Oh, ça sent pas bon, hein. Ça sent juste une ex, hein. Bon, à la vie. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est pas que je l'ai, l'aspect. Je crois. Il me semble que c'est que des ex, hein. Si je me trompe pas, c'est que des ex. Que des compétences, hein, pardon. Ok, aucune nouvelle SPX, donc ok. L'aspect des 3 ans. Ok, l'aspect des 3 ans, pourquoi pas. Je prends. Ok, vous voyez, aucune gold, hein, que des argents. Ok. Pourquoi pas. Ça, je l'ai déjà en gold. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Ok, pourquoi pas. Et bien sûr, hein, là ça vous garantit rien, hein, forcément. Le ticket roule, hein, j'ai écusé depuis que c'est arrivé, hein. Depuis ben, une semaine. J'ai tout gardé. Ouais, il y a 10 jours. Je vous ai tout gardé. Pour faire la multi. Donc c'est multi en plus, quoi. Donc si, celle-là, bon, ce qui manque en tout. Il n'y a que celui de sabot. Par contre, un petit, c'est Kizaru, c'est pas sa nouvelle ex. C'est la celle des 3 ans. On ne sait pas pourquoi. Celui qui est manque, c'est celui-là. Sinon, ce serait des doublons, quoi. Celle-là, je l'ai en doublon, je prends. Je l'ai en doublon, je prends. Celle-là, je l'ai en doublon, je prends. Celle-là, en doublon, je prends. Sinon, ben, celle de sabot. C'est celle qui me manque, quoi. Mais là, j'imagine que ça vous garantit rien, hein. C'est des rados, hein. Donc, ce que je fais, je la multi là, et le reste, je vais conserver, hein, jusqu'à la fin, je pense, hein. Dès que j'aurai tout rassemblé, je ferai tout en même temps, quoi. Là, c'est juste que c'est l'événement. J'ai mis en plus, quoi. Mais ça garantit pas, hein, une sac à toi, non, mais, hein. Ah bon? Ok, une dizaine. Ok. Ça, je l'ai, pourquoi pas. Ok. Ok. Prends celle-là. Ok. Pourquoi pas? Donc c'est pas ouf, hein. Mais on va dire c'est mieux que rien. Donc le reste des tickets, je vais les conserver. Au plus tard, vous pouvez voir. Forcément, j'ai un petit peu invoqué sur Kaido. Forcément, j'ai pas entendu, hein. Bien sûr, je vous ai enregistré la vocation de notre cher Kaido, hein. Donc je vous laisse réviser ça. Tranquillement.
Donc j'ai fait que deux multi, hein. Et quelques singles. Ouais, j'ai fait que deux multi. Et quelques singles. Donc voilà. Donc après j'ai fait quelques singles sur le portail. J'ai les deux compétences. Donc j'ai la première compétence en soin de lui sur l'amitié A5 gratos là. Ça je l'ai fait avant de faire les multi. Et j'ai récupéré une autre compétence de lui en faisant quelques singles. Par contre l'autre ex, je l'ai pas. À mon avis, voilà. Je vous dis, j'ai déjà l'un des deux. Je me dis, j'ai déjà l'un des deux. Bon, je dis pas que peut-être je ferai quelques singles sur le portail pour dropper l'autre SPX. Mais voilà, je verrai. Donc, j'ai eu au moins l'un des deux. Voilà, qui est SP5, hein, je pense. Voilà, qui est, je l'ai monté SP5. Voilà. Bon. La deuxième ulti, pas ouf, hein, mais bon. Ça, il fait. Généralement, quand c'est les Fame Event, hein, quand je vous dis, hein, vraiment, généralement, tout ce qui est Fame Event, il ne faut pas non plus s'acharner. Hein, c'est pas des portails de ouf. Les meilleurs, c'était, voilà, avec Zoro. Et plein de SPX, hein, avec des bonus. Hein. Pour moi, les Fame Event, là, parce que là, c'est le nouvel an, c'est l'exception à la règle, mais en général, les Fame Event, hein,
Je dis en free to play, c'est pas le meilleur à invoquer. En tout cas, voilà, j'ai une des deux spé. Je sais pas si je l'aurai, l'autre spé. Donc, je vous montre les événements à faire. Donc, là, je vous montre directement dans les pubs. À mon avis, je suis plein avec les multi que j'ai faites. Donc, avez l'événement de Kaido. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'événement. C'est comme à tous les mois. Hein. C'est quoi ce bordel? Donc, normalement, il y a un événement avec Brook. Normalement, vous avez un event avec Brook. Ça voudra faire 3 fois par jour. Donc, ça permettra de récupérer 3 pièces par jour. Hein, donc, si vous faites tous les jours, vous récupérez au moins 18 pièces, hein, comme à chaque fois. Les faits events ne changent pas hein, l'un à l'autre. Donc, si vous faites Brook tous les jours, bah, vous récupérez 3 pièces par jour. Et donc, comme d'habitude, de 1 heure à 2 heures, il y a les rouleaux à farmer. Hein, donc, ce qui est chiant, mais bon. Donc, de 1 heure à 2 heures, il y a la première heure pour les rouleaux. La deuxième, c'est de minuit à 1 heure. Et de 85 heures. Voilà. Je vais les farmer. Je mettrai les heures dans la description. Simplement, donc voilà. Donc maintenant, mon Kaido, je l'ai monté directement. Voilà. Voilà. J'ai pas trop le temps. Hein. Donc voilà. Donc j'ai que celle-là. Bon, j'ai mis l'autre, hein, en attendant. Juste sympa. Franchement, peut-être au niveau des attaques, peut-être qu'il est un peu lent. Peut-être au niveau des attaques, peut-être dans certains mouvements, il est assez lent. Et que la deuxième SPX, j'ai ça va, l'aspect en dragon, elle avait quand même du temps à attaquer. Voilà. Sinon, le personnage, il est sympa quand même. Après, peut-être un petit peu de lenteur au niveau des mouvements, mais bon. Je vais dire que c'est comme ça. Une spé en soin, franchement, qui reprend ses attaques. Voilà, sinon, la spé en dragon, elle est sympa. Elle est très sympa, mais assez lent. Forcément, elle est assez lent. La spé en foudre, la deuxième spé, elle fait beaucoup plus de dégâts que la première. La spé en dragon, elle fait moins de dégâts. Donc, ouais, je vous dis hein, que là, c'est en essai, mais bon. Mais elle est sympa. En termes d'animation, elle est super sympa. Et sinon, voilà. Sinon, il y a des mouvements assez lents, mais bon, sinon, ça va quoi. Ça passe quoi. Donc, ça va être un personnage, je pense, hein, multiple. Hein, multiple type, hein, comme Barbe Blanche, comme Big Mom. Hein. Donc, forcément. Quand on voit Kaido, on pense à l'attaque de feu du dragon, mais bon, je pense que l'attaque de feu du dragon, on l'aura plus tard. Hein. Plus tard, je suppose. Hein. Je sais pas comment ils vont insérer l'attaque du feu. Est-ce qu'on aura Kaido avec la transformation du dragon? Parce que les transformations dans le jeu, mais on en a eu au début, mais sur les fins, on n'a pas eu des transformations. Enfin, la dernière transformation, c'était avec Lucy. Depuis, il n'y a plus de transformation. Donc, j'imagine les transformations, ils ne vont plus trop les faire. À moins que, décideront de refaire la transformation en dragon pour Kaido, pour l'aspect. Enfin, je sais pas. Au moins, il sera une spé seule. Hein. La flamme de feu. Donc, forcément, moi, je pensais à celle-là. Hein, quand j'ai vu Kaido. Mais bon. Mais bon. Donc sinon, l'animation est sympa, etc. Donc voilà. Donc c'était la première vidéo de 2020, hein, comme on dit. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez ce que vous avez reçu avec la multi de Ace, avec la multi de Nouvel An, plus avec les tickets, on ne sait jamais. Et bien sûr, le Kaido, hein. Peut-être que je tenterai quand même quelques singles dessus, c'est jamais pour choper. Au moins d'avoir un exemplaire. Hein. Après le reste, je me débrouillerai pour les monter quoi. Franchement, à l'heure actuelle,
pas trop difficile d'augmenter les SP de manière gratos. Hein. En vous débrouillant bien, tous les nouvelles SP, il y a moyen de les monter au moins SP7 de manière gratos. Voilà, c'est pas. Voilà, moi si j'ai une fois, ça me va. Donc je verrai, hein, ça tombe. Je verrai si je suis tenté. Voilà. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Hein.